Lin Zhao fait partie de cette génération de Chinois qui ont vu arriver la Chine communiste alors qu'ils étaient... Ils sortaient de l'adolescence, ils n'avaient pas 20 ans, et qui l'a accueilli avec une grande ferveur, jusqu'à ce qu'au milieu des années 1950, et progressivement, elle découvre que ce régime chinois qu'elle aimait tant était en fait un régime qui tournait au totalitarisme. Et donc, elle a commencé à manifester son inquiétude et à vouloir s'opposer à ce à quoi elle assistait. Elle a, du même coup, été dans la situation d'être considérée comme une critique. Alors à l'époque, on ne parlait pas de dissidence, hein, mais en vérité, elle a fait ce choix, alors qu'elle avait à peine 20 ans, d'être du côté de la dissidence, du côté de ceux qui s'opposaient à Mao Tse-tung. Ils étaient très peu nombreux et persécutés, si bien qu'il était très très difficile, il n'y avait pas de mouvement organisé, c'était des mouvements assez isolés, des personnalités qui essayaient tant bien que mal au moins de se parler, de se réunir. Et l'arme principale de Lin Zhao, c'était l'écriture. Elle écrivait, elle voulait être journaliste, elle avait une très belle plume et elle a écrit des poèmes, mais aussi des articles critiques et de très longs textes de critique. Et puis elle s'est retrouvée, en raison de ses activités d'opposante, elle s'est retrouvée en prison, elle a été emprisonnée en 1960. Elle a été emprisonnée pendant un peu plus d'un an. Dans des conditions très difficiles. Elle a été libérée pour des raisons médicales et en fait, à sa sortie de prison, elle était tellement révulsée par ce qu'elle avait vécu et pour elle, la nature totalitaire du régime s'était confirmée pendant son séjour en prison, donc elle a continué à s'opposer, si bien qu'elle a été très vite réemprisonnée à partir de 1962, donc à Shanghai. Et de sa prison, et c'est ce qui en fait une personnalité extraordinaire, elle a continué de se battre, elle a continué de protester, elle a continué de revendiquer justement ce droit à ne pas être d'accord avec le régime communiste. Et cette revendication passait encore et toujours par l'écriture. Alors évidemment, en prison... on n'a pas les moyens d'écrire facilement, donc elle s'est retrouvée à écrire avec ce qui lui tombait sous la main, c'est-à-dire bien souvent elle utilisait son propre sang. Elle utilisait les draps, les habits qu'elle pouvait récupérer quand elle n'avait pas de papier. Elle a de cette façon entamé une forme de résistance à l'intérieur de la prison, donc par l'écriture, par les grèves de la faim, par le refus de se taire. Elle criait des portes de sa prison, elle criait son innocence. Elle disait qu'elle était une combattante de la liberté, elle voulait avoir le statut de prisonnière politique, ce qui est un statut qui n'existait pas en Chine à l'époque, on ne reconnaissait pas ce statut-là. Et elle a continué jusqu'à la fin à protester. Elle a écrit, moi j'ai récupéré environ 500 pages de documents écrits en prison, donc c'est une quantité énorme de textes, on a du mal à comprendre même comment cela a été possible. Et puis en 1968, alors que la révolution culturelle atteignait un de ses paroxysmes de violence, elle a été exécutée sans autre forme de procès. Et c'est une voix qui s'est tue à ce moment-là et qui est restée éteinte très longtemps, jusqu'à ce que dans les années 1980, après la mort de Mao Tse-tung et la fin de la période, on va dire, dure du communisme chinois, dans un moment qui était plus un moment de détente, on commence à parler de tous ceux qui, justement, avaient souffert sous Mao. Et la figure de Lin Zhao a réémergé. Mais, et c'est là où elle est encore aujourd'hui une figure intéressante et importante qui montre à quel point la Chine d'aujourd'hui a encore de sérieux problèmes avec la liberté d'expression. C'est une personnalité qui n'a jamais été réhabilitée, c'est-à-dire qu'elle a été
juridiquement, comme beaucoup d'autres des dissidents de l'époque, les droitiers comme on les appelait, il a été reconnu qu'elle n'était pas droitière, qu'elle n'était pas opposante, mais en revanche, le régime a refusé toute forme de réhabilitation officielle. Et aujourd'hui encore, sa tombe, qui est un lieu où on vient se rendre pour lui rendre hommage, est surveillée. Il y a 4 caméras de surveillance qui visent la tombe. Le jour anniversaire de sa mort, la police en général empêche l'accès à sa tombe. Et tous les ans, des personnes se font arrêter parce qu'elles ont l'intention d'aller se rendre sur la tombe de Lin Zhao. Autrement dit, elle est devenue maintenant une icône de la dissidence chinoise contemporaine, justement parce qu'elle n'a jamais été réhabilitée, mais aussi parce que ses textes sont des textes qui critiquent la nature totalitaire du régime et que les opposants chinois d'aujourd'hui lisent ces textes en se disant « mais elle avait tout compris, elle avait vu clair dans ce qu'était ce régime. À l'époque, elle était une des rares à avoir vu clair et aujourd'hui, ces textes peuvent encore nous servir. » Donc voilà pourquoi encore aujourd'hui, c'est une personnalité forte, à la fois admirée par ceux qui critiquent le pouvoir chinois en place et d'une certaine façon crainte par ce même pouvoir qui fait tout pour limiter la diffusion de son image.